à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Paloma Créa. Aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver pour la revue du fascicule numéro 22. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et donc tout de suite c'est parti. Donc comme petit lot, on a encore une couleur qu'on a déjà eue malheureusement. Donc je suis un peu déçue. Mais bon, j'ai l'impression qu'ils vont remettre pas mal de couleurs qu'on a déjà eues, qu'ils n'ont plus d'idées tout simplement. On a donc de la Fimo Sahara en soft numéro 70 et on a un petit lot de microbilles multicolores, donc il y en a énormément dans un flacon, voilà. Donc voilà, il y en a de toutes les couleurs. Et donc pour le fascicule, nous avons comme technique, nous avons imité la pierre turquoise. Donc pour faire un effet de pierre comme ça, de turquoise, on a pour customiser des gants avec des petits nœuds. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Ensuite, on a un sautoir Rainbow Cake. Donc plus dans mon style, on va dire. Voilà, le Rainbow Cake. Ensuite, on a le dessous de tasse hexagone, donc je vais m'inspirer de cette vidéo pour vous faire le tuto du jour. On a le pic à chignon pan, voilà, donc pour mettre dans les cheveux. On a un bracelet en forme de nœud plat comme ceci, toutes les feuilles se déchirent comme ceci, voilà, si vous voyez à quoi ça ressemble. Ensuite nous avons quoi, le porte-collier turquoise. Donc vous pouvez vous aider de la technique du jour pour réaliser ceci avec l'effet de pierre turquoise, hein. Et on a les boucles d'oreilles Anada comme ceci, avec une petite perle orange, enfin avec une petite perle. Ensuite, on a la créatrice du jour, donc c'est Ribam Belle. C'est dur à dire. Donc elle fait des bijoux de même forme, enfin voilà, un peu ethnique comme d'habitude, hein. C'est beaucoup de créatrices de ce genre qui fait des plastrons et des parures, donc voilà. Et pour le fascicule numéro 23, car oui, ce n'est toujours pas fini, nous aurons un pomme fimo vert tropical numéro 50. Ah non, c'est pas du vert tropical ça. Parce que le vert tropical c'est 53. Donc ça c'est du vert pomme numéro 50. Je ne sais pas si on a déjà eu cette couleur. Et une lame rigide. Voilà. Donc après la lame crantée et la lame souple, on a la lame rigide. Et comme tuto, bah vous verrez bien. Je vous laisse le suspense. Et par contre les techniques, c'est le montage des pendentifs. Donc voilà pour le numéro 23. Donc j'espère que ce numéro vous aura plu et donc je vais vous laisser avec le tutoriel d'aujourd'hui, le petit dessous de tasse, inspiration du fascicule bien évidemment. Je vous laisse avec la suite et on se retrouve à la fin de cette vidéo. Dans cette vidéo, j'ai utilisé un rouleau, de la poudre Fimo argent, un crayon de couleur blanc, un pinceau plat, des dotting tools, une lame, un scalpel, une paire de ciseaux, une plaque de texture florale, de la Fimo vanille effect numéro 105, du rose quartz en effect numéro 206, du bleu brillant en soft numéro 33, du blanc en soft numéro 0, de la pâte burke et vous aurez également besoin de papier calque. J'espère que la vidéo va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Pour commencer, je vais prendre ma feuille de papier calque et je vais faire un patron. Donc je la plie en deux et je vais dessiner une moitié de cœur. Et quand on va la déplier, bah, ça fera le cœur entier. Je ne sais pas si vous m'avez compris, mais en gros, vous pliez une feuille. Donc c'est pas forcément du papier calque, hein, mais moi je préfère, ça adhère moins à la pâte. Vous prenez en fonction de votre tasse, parce que c'est pour faire un dessous de tasse. Et on va venir couper et quand on déplie, vous voyez, ça fait un cœur entier. J'espère que vous avez bien compris toutes les étapes. Une fois que vous avez votre cœur, donc vous n'êtes pas obligé de faire un cœur, hein, vous pouvez faire d'autres formes. Vous allez mélanger plusieurs couleurs qui vont bien ensemble. Donc moi j'ai pris du vanille, du rose quartz, du lilas que j'ai oublié dans la liste de matériel d'ailleurs. Et du bleu mélangé avec un peu de blanc. Et on va venir faire un petit dégradé assez sympa. Donc prévoyez beaucoup plus de pâte que moi parce que finalement pour la taille de mon cœur je n'avais pas assez. Mais je me suis débrouillée.
Donc ensuite on prend de la pâte Burke ou autre, hein. Moi j'ai pris de la pâte rose quartz parce que j'en avais beaucoup. On va faire la forme de notre cœur. Donc voilà, c'est assez fragile. Et on va venir faire tout ça. Donc on fait deux couches de pâte Burke. Donc une couleur jolie en dessous, une couleur moche au-dessus. Et on finit par le dégrader. Et ça vous donne une couche beaucoup plus épaisse. Ensuite, je viens prendre ma plaque de texture et je vais bien mettre tout ça, enfin, bien former avec mon rouleau, un petit peu appuyé, mais pas trop parce que sinon après, ça va rester collé et c'est un peu problématique. Vous pouvez mettre de la farine pour que ça colle moins. Avec un dotting tool, je vais un petit peu creuser encore plus mes formes, mais plus précisément, enfin voilà, avec un dotting tool de la taille de mes petites rayures, enfin... Voilà, donc je viens bien passer partout pour creuser légèrement un peu plus pour que ça fasse un peu plus en relief. Avec de la poudre Fimo, je viens passer en surface, vraiment là, juste où il y a les petits... enfin, juste en surface, vraiment. Donc, vous pouvez vous aider d'un pinceau plat. On vient mettre tout ça au four, 30 minutes à 110 degrés. Et donc, voilà, vous pouvez poser votre tasse. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner à ma chaîne. En attendant, je vous fais très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye !